Julien, candidat de la saison 3 de L'Amour est dans le Pré, a révélé en avril dernier qu'il avait été victime d'un AVC. Ce mardi 13 juin, il a annoncé qu'il connaissait désormais la date de son opération. Julien, candidat de la troisième saison de L'Amour est dans le Pré, a été victime, en avril dernier, d'un AVC. C'est sa femme Floriane qui avait annoncé la mauvaise nouvelle sur leur compte Instagram. Je viens donner des nouvelles de Juju qui ne sont pas bonnes. Il fait donc un AVC dans le cervelet droit. Zone très risquée car petite. Il ne faut surtout pas que ça grossisse, surtout chez les jeunes patients comme Juju. Il a également à cet endroit toutes les facultés motrices. Ils ont également vu que ses artères au cerveau faisaient comme un tuyau d'arrosage, tout tordu et un coup fin un coup grand. Ça irrigue mal le cerveau, avait-elle expliqué. Le couple avait dû patienter pour découvrir les causes de cette attaque. Julien sera opéré avant la fin de l'année. Ils avaient ensuite indiqué que c'était une petite malformation du cœur de l'agriculteur qui avait provoqué son AVC. Il y a des fois, ça fait rien et des fois ça crée des AVC. C'est ce qui a créé la vessie. On a la cause enfin, s'était-il réjoui. Ils avaient annoncé que l'agriculteur devrait subir une opération dans un proche avenir pour corriger ce problème. Ce mardi 13 juin, les deux tourtereaux se sont emparés de leur compte Instagram pour annoncer une bonne nouvelle à leurs abonnés. La date de l'opération de Julien a enfin été fixée. C'est avant la fin de l'année, a révélé Julien. Suite au prochain épisode, j'ai encore des coups de téléphone à donner et je vous dis, promis, quand est-ce que je vais être opéré, a-t-il indiqué. En légende, il a ajouté qu'il fallait qu'il tienne informé ses proches et son travail avant de livrer cette date sur les réseaux sociaux. Floriane dévoile ses symptômes typiques de l'AVC qui frappe encore son compagnon Julien s'est également confié sur ses symptômes de l'AVC qui persistent. Il a ainsi expliqué qu'il était très fatigué et qu'il sentait son bras gauche tout léger. Il ne faut pas s'alarmer non plus, a-t-il immédiatement rassuré. Apparemment, c'est typique de l'AVC. C'est un coup oui, un coup non. Un truc de fou, a noté Floriane. Elle avait déjà évoqué certaines des conséquences physiques de ses AVC. Il n'a plus le droit de porter des trucs lourds pour le moment, donc c'est moi qui fais les travaux. Débroussailler, tondre, porter les courses, mettre la remorque devant la voiture. On a plus de 3000 m² à gérer donc j'ai énormément de boulot, en plus de mon métier d'assistante maternelle, avait-elle indiqué. Yeah.